Arrêtez tout. Le tueur de Glock est enfin arrivé. Encore? Ouais, encore. Bah, c'est normal parce que comme Glock constitue une référence, chaque nouveau pistolet sur le marché, eh ben, essaie de se comparer à lui. Bonjour à tous, bienvenue sur YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un pistolet qui est sorti il y a un peu plus d'un an aux États-Unis, il y a quelques mois chez nous, et qui a suscité un grand engouement. Et comme bah, tous les nouveaux strikers en polymère qui sortent, il se présente comme un tueur de Glock. Eh bien écoute, si c'est la question que tu te poses, de savoir qu'est-ce qu'il vaut, si c'est un tueur de Glock, je te rassure, t'es au bon endroit, parce que c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc le pistolet dont on va parler aujourd'hui, hein, c'est le Springfield Echelon. Watch your six presents. Donc si je devais décrire en quelques mots ce Springfield Echelon, on pourrait dire qu'il est issu du mariage illégitime d'un Glock et d'un SIG P320. Il est fait sur une base de Glock Gen 3. Alors pourquoi Gen 3? La plupart des Glock-like qui sortent sont faits sur une base de Glock Gen 3, tout simplement parce que les brevets de la génération 3 sont tombés dans le domaine public, donc on peut s'en inspirer et les utiliser. Je serais un peu de mauvaise foi si je disais que c'était juste un clone de Glock, parce qu'il faut reconnaître que ce Springfield Echelon vient avec des propositions nouvelles, notamment une, c'est ce qu'on va voir. Mais avant de venir sur les specs, on va faire un petit peu l'historique. Donc cet Echelon, il est fabriqué par HS Product, la marque croate. HS Product fabrique des armes pour Springfield. Le moins qu'on puisse dire, c'est que HS Product savent ce qu'ils font, ils font des bonnes armes. Si vous suivez régulièrement la chaîne, on avait présenté la vidéo du Bullpup, le VHS 2, hein, qui est l'évolution du Springfield Elion. Donc on est sur la même configuration. La marque Springfield fait fabriquer ses armes par HS Product et c'est donc le cas de notre Echelon. Première feature importante et première innovation qu'ils ont apportée sur ce pistolet, c'est le système VIS pour Variable Interface Système. Je m'explique. Donc ça va être le système pour monter des points rouges. Ce dont on avait habitude, ce qui était la norme, notamment avec le système MOS pour Glock, pour Modular Optical System, c'était de rajouter une plaque pour adapter votre point rouge. Sur l'Echelon, et ben tout simplement, il y a plusieurs empreintes directement faites dans la culasse, donc on va squeezer les tapes de la plaque, ça c'est plutôt cool. On va éviter d'intercaler des couches et des interfaces, il n'y aura surtout rien à acheter en plus. Et en fait, avec les empreintes déjà faites dans la culasse, les différents pas de vis,
on va pouvoir fixer une trentaine de points rouges. Donc le choix est vaste. Cependant, si on utilise des systèmes fermés genre l'accro, il faudra rajouter une plaque. Ceci étant dit, de base, comme je vous le dis, avec ce système vis, vous allez pouvoir plugger directement une trentaine de points rouges. Ça, c'est plutôt cool. Il n'y a rien à acheter après. Quand tu reçois ton arme, tu peux directement monter ton point rouge dessus. Sur cette culasse aussi, il va y avoir l'emplacement pour mettre des petits ergots qui vont empêcher le point rouge de pouvoir bouger de gauche à droite. Donc ça va maintenir une bonne stabilité et ça va surtout nous garantir de garder un zéro parfait. Donc ça, c'est vraiment la première grosse innovation que ce Springfield Echelon va nous apporter, quelque chose de nouveau qui n'existait pas jusqu'alors sur le marché, et peut-être qu'on va voir si ça devient la norme. Après, on peut se poser la question de savoir si un système universel va vraiment être le plus performant. En général, quand on veut répondre à un maximum de problèmes en même temps, on risque de passer à côté de certaines choses. Mais bon, pour l'instant, pas de problème, ça fonctionne. Alors les retours qu'il y a, c'est vrai que suivant la taille du point rouge que vous allez mettre, il va y avoir un petit gap entre le bord. Donc pour certains, ça pose problème. Moi, je m'avoue que je m'arrête pas forcément là-dessus. Je trouve que le système est plutôt cool et innovant. Et comme je vous dis, on va voir si dans le futur, ça va devenir la norme. Si on continue à regarder cette culasse, on peut voir qu'elle est vraiment bien travaillée. Esthétiquement, bon, ça reste personnel, mais je trouve que c'est plutôt bien réussi. Une chose qui est sympa dessus, c'est qu'on va voir qu'à l'arrière et ici, ça va être un petit peu évasé sur les côtés, donc ça va être pratique hein, si on fait... Voilà, si vous voulez faire les contrôles de charge, hein, n'hésitez pas à en faire, c'est gratuit. Ou les mouvements de charge, on va pouvoir venir le saisir à l'arrière, ou ici, et ça c'est plutôt pas mal. D'un point de vue esthétique, je trouve que cette culasse est quand même plutôt bien faite et bien travaillée. Pour ce qui est des organes de visée, ils vont venir avec deux versions, soit avec les points comme j'ai ici, soit avec le U blanc. La version que je vous présente, elle a un canon fileté. Il existe bien sûr canon fileté et pas fileté. Sur cette version, le canon va faire 5 pouces. Passons à la poignée et je vais vous expliquer pourquoi selon moi, c'est le principe d'un SIG. Ce qu'il faut savoir, donc ce sera peut-être pas disponible chez nous en Europe et plus principalement en France, c'est qu'une autre particularité de cet échelon, c'est ce qu'il a un système qui s'appelle COG, pour Control Operating Group pour les Américains, et notamment comme ça se passe pour le SIG P320, ce qui est considéré comme une arme, c'est le groupe, c'est-à-dire le bloc des temps. Il y a fort à parier qu'il y a plein de nouvelles poignées, comme des marques comme Strike Industries qui font des poignées pour le P320, vont en faire pour l'échelon. Et l'idée, c'est que vous pouvez enlever votre bloc détente et changer la poignée. Si vous voulez une poignée plus courte, plus petite, il y a différentes formes de poignées. Donc c'est cette possibilité. Je ne sais pas si ça va être disponible chez nous, car vous savez que de par la réglementation, la poignée doit y avoir un numéro de série dessus, donc c'est assez compliqué. On peut voir que pour un pistolet sorti de boîte, cet échelon propose tout ce dont on va pouvoir avoir besoin, notamment tout ce qui est texture. On retrouve un petit peu sur la crosse les textures qu'on pouvait avoir sur le L4. On voit que, hop, dessous, il y a les undercuts. Hein. Le ponté est assez large. On voit que pareil, c'est usiné devant. Les accélérateurs cut sur les côtés pour optimiser l'appréhension. On peut voir que le levier pour le démontage, il a été un petit peu texturé. Un bon travail de finition sur cette arme. Il y a un rail à l'avant si tu veux mettre une lampe, hein, bien sûr, tous ces accessoires. Autre particularité, le bouton de chargeur, il va être ambidextre. Alors j'étais un petit peu sceptique au début, du fait de la prise en main, comme des fois je mets mon doigt ici, j'avais peur de presser dessus. J'ai pas eu personnellement d'incident au tir, j'ai dû tirer à peu près 1000-1500 cartouches avec, mais j'ai pas eu de problème d'éjection intempestive du chargeur. L'arrêtoir de culasse, lui, c'est vrai que sa forme est, quand on le regarde de profil comme ça, elle est un peu petite. Maintenant, si on le regarde par-dessus, on voit qu'il est relativement large. Donc au début, je pensais que ça allait être un petit peu problématique pour les manipulations ou pour bloquer l'autre culasse à l'arrière. Mais non, on voit qu'il n'y a pas de problème, ça fonctionne plutôt pas mal. Pour ce qui est du départ, cet échelon ne va pas proposer quelque chose d'exceptionnel, il va nous proposer un bon départ. Selon moi, je l'apparente plus à un départ de SIG qu'à un départ de Glock. Voilà. Le reset, bon, vous voyez, faut quand même revenir pas mal. Alors, ça peut être amélioré, hein. C'est pas le meilleur départ du monde. Mais il fait le café, ça fonctionne. Faut bien garder à l'esprit que c'est une arme qui a été faite pour du duty, hein, pour les professionnels. C'est pas une arme à vocation de tir sportif. Donc on va retrouver un petit peu les mêmes critiques qu'on pourrait faire sur tous ces types de départs, hein, comme les départs Glock. Pour ce qui est de la poignée, hein, livré avec deux tosserets que vous allez pouvoir changer. Le pistolet il est fourni avec deux chargeurs, donc celui-là avec une extension de 20 cartouches et un autre de 17, c'est des chargeurs métalliques. On m'a posé la question, il y a eu des vidéos où il parlait de problèmes de chargeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand c'est des armes américaines comme ça, on les reçoit longtemps après leur sortie sur le marché US. Donc s'il y a eu des problèmes aux US, dites-vous bien que tout a été réglé avec l'inertie, le temps que ça arrive chez nous. Les marques ont le temps de faire les mises à jour et régler les éventuels problèmes qu'il y a sur leurs armes. Donc il y avait des petits problèmes de faiblesse au niveau du chargeur. Il semblerait que ça a été résolu parce que bon, j'ai pas eu de problème, je vous dis, avec tout ce que j'ai tiré. On en a déjà rendu quelques-uns, on n'a pas eu de retour de problème sur les chargeurs. Et à mon avis, ça a été réglé, donc ne vous prenez pas la tête sur ça. Petite chose, alors je sais qu'il y en a qui sont sensibles à ce détail. Quand on va tirer, eh bien cet échelon, on va quand même le sentir
un peu plus vive dans nos mains. C'est-à-dire que la munition va taper un petit peu plus. Ça reste du 9 mm, mais je sais qu'il y en a certains qui sont attentifs à ce genre de détails. Tout simplement parce que je pense aussi, comme ça a été un petit peu usiné sur les côtés, il va y avoir moins d'épaisseur que sur un Glock. Donc on va plus sentir la munition. Si je veux le comparer à un Glock, hop, je vais prendre mon Glock 17. On peut voir qu'on est sensiblement sur les mêmes dimensions. Voilà, à peu près les mêmes angles. Ceci étant dit, l'échelon va être plus large à certains endroits, ce qui fait que tu ne pourras pas utiliser ton échelon avec ton étui ou holster de Glock. Il faudra acheter un holster spécial. Mais toujours est-il que ça fonctionne bien. J'ai pas eu d'incident de tir, donc ça c'est plutôt important. On va faire ce que nous propose un petit test de précision. On va faire une petite cible. Je tire à 12 mètres. Hein. On va tirer de la cellier Bello. On va tirer une douzaine de cartouches pour voir ce que ça donne. Et puis on va essayer de couper une carte. Et on revient tout de suite. Donc en résumé, qu'est-ce que je pense de ce Springfield d'échelon ? Donc vous avez bien compris que, est-ce que c'est un tueur de Glock ? On s'en fout, hein. C'est un combat un petit peu puéril. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est une bonne arme. Eh bien oui, c'est une bonne arme. Il fonctionne bien, c'est le plus important. J'ai pas eu d'incident de tir, ça c'est plutôt bien aussi. On voit qu'on peut être précis avec, ça y a pas de souci. Il offre toutes les options qu'on peut vouloir sur un PA, on va dire, moderne, hein, en termes de forme, de texture, de découpe. Bref, en plus, je vous dis, il vient avec des innovations. Donc oui, le Springfield d'échelon est un bon PA. Si tu cherchais une alternative, que tu voulais pas forcément prendre un Glock ou que tu as déjà un Glock et que tu veux te faire plaisir et changer d'arme, tu peux y aller, bah, c'est une bonne arme, ça fonctionne bien. Donc si tu avais envie d'acheter un Springfield d'échelon, bah, j'espère que cette vidéo t'a aidé. C'est pour ça qu'on fait ça. N'hésite pas à nous retrouver sur le site de l'armurerie, hein, je mets le lien en description. Retrouve-nous sur Instagram, Facebook, abonne-toi et surtout rejoins-nous sur OKS pour des avantages exclusifs sur l'armurerie et du contenu exclusif. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, c'était Gaëtan.